Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Noob Hardcore. Le principe est assez simple, on va jouer à un jeu en mode hardcore et essayer de survivre le plus longtemps possible. Et je me dis que commencer par Minecraft, un jeu sur lequel j'ai passé énormément d'heures à jouer, devrait pas être trop dur. Allez, on commence par créer son monde, voilà. Oh le con, j'ai appuyé sur entrée sans lui donner de nom, ça c'est con. Bon alors le biome est pas trop dégueu, il y a pas mal d'arbres, une petite prairie, la mer, du sable, un bon spawn j'avoue. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Bon, on commence à récolter un peu de bois et tuer les quelques mobs qui est un peu partout. Après tout, faut bien bouffer, hein. J'avoue que la zone est généreuse en bouffe. Oh, bébé qui va mourir. Ah, la galine. On va te manger. Allez, viens là, toi. Je me dis qu'une petite maison, ça serait pas mal en vrai dans cette petite prairie. Bon, c'est pas parce qu'on est sûr. Noob Hardcore. Qu'on peut pas avoir son petit chez-soi. Qu'est-ce t'en penses, Stéphane Plaza? Pourtant, il y avait une très très belle isolation en fougère et à ce prix-là, c'est quasiment introuvable. C'est la première offre, je pense qu'ils ont une demande très précise, on va pas se décourager, on va trouver. Allez! Bon alors, on a le terrain, et c'est qu'une fois à l'abri qu'on pourra progresser, hein. Faut se protéger des monstres qui rôdent la nuit quand même, faut pas déconner. Merde, le soleil se couche déjà, à force de faire Charlie Ingalls, j'ai pas vu le soleil se coucher. Allez, on va buter du kebab et se faire un petit lit douillet, et au dodo. Bon, la première nuit est passée, pour l'instant ça se passe bien, on va continuer à couper du bois et un peu explorer. Bon, il va se passer plein de trucs, je vais couper du bois. Faudrait du cuir, mais salope de vache, elles en donnent pas. C'est quand même con, une vache, tu tapes dessus, elle fait meuh, mais elle donne pas de cuir, putain. Hop, du cuir. Un peu de canne à sucre aussi. Oh, coup de chance, un portail du Nether abîmé, j'ai vraiment le cul bordé de nouilles. Il y aura peut-être des trucs cool dans le coffre. Bah non, y a que de la merde. J'ai même pas de fer pour ramasser les blocs d'or. Putain, c'est vraiment la merde en vrai. J'ai remarqué près de la maison, il y a un petit mouton gris, j'aimerais bien l'adopter, mais promis petit mouton, je te ferai un enclos, tout ça, puis bon, tu finiras en kebab aussi, hein, parce que faut bien manger, quoi. Bon, la maison a bien avancé. Oh bordel, c'est déjà la nuit. Non mais c'est dingue, ça passe si vite. Y a un petit creeper qui rôde, on va pas prendre de risque, on va aller dormir aussi. Ah merde, j'ai oublié que les creepers, ça meurt pas au soleil. Bon bah, on va essayer de se battre avec une hache, espérer pas crever. Bon, ça s'est bien passé, ça va. Bon, la maison est enfin finie, alors qu'est-ce que t'en penses, Stéphane Plaza? Moi, j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque! Ouais, c'est bien ce que je pensais. Allez, il est temps de creuser un petit peu. Après tout, l'objectif, ça serait quand même de réussir à battre le dragon, hein. Mais bon, aller dans l'Inde, le Nether, tout ça, faudra un petit stuff, hein. On va creuser un peu et essayer de trouver du fer. Bon, la grotte est immense, mais elle grouille de mobs. Faut que j'arrive à choper un peu de fer pour crafter un peu de stuff. Voilà, c'est un début, on peut essayer de faire le bonhomme, on y retourne. Saloperie de squelette, ils font les malins à faire les snipers, mais on va les avoir. En plus, ils se tirent dessus, les cons. Voilà, maintenant c'est safe. Enfin, safe, ça grouille quand même pas mal, hein. Faut quand même que je fasse attention, parce que là, la mort est définitive, hein. Ça supprime la partie et tout, ça serait con. On s'est fait chier à construire une maison pendant 3 jours. Hein. Il y a aussi beaucoup de creepers, faudrait pas que ces saloperies me pètent à la gueule, parce que, bon, je crois qu'ils OS presque instinctivement, quoi. Bon, il y a du fer un peu partout, ça devrait le faire. Le fer, ça devrait le faire. Ouais. Putain, mais ces snipers, ils sont partout. À peine je remonte ma vie qui m'enchaîne, allez hop, un de moins, saloperie. Bon, bah, y a plus qu'à, comme disent les vieux, on va remonter doucement et... Saloperie de squelette. En plus, il met mal l'enfoiré. Arrête, tu vas me buter. Et merde. Je pensais que je survivrais plus longtemps, mais adieu la maison et... Bah, adieu Stéphane Plaza. Ça me fait penser à une petite levrette. Pas. J'ai été trop loin. En tout cas, pense à t'abonner et à lâcher un like, parce que, bah, voilà, ce serait cool pour soutenir la chaîne, quoi. Ouais. Merci à toi. Stéphane! You lie!